Et c'est clair, face à toutes ces poches d'insécurité persistantes, il faut renforcer les troupes loyalistes. Des stratégies se peaufinent davantage dans ce sens. On en voudra pour preuve la sortie officielle du 2103 Régiment et 341 bataillons spéciaux formés au centre d'instruction des Kitona, cérémonie présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila. De retour de cette base militaire, Guilain Kabalundi et Fils Matondo nous proposent ce reportage. Ces unités constituées intègrent définitivement le rang de forces armées de la République démocratique du Congo. Jeunes et dynamiques, ces recrues ont acquis pendant 20 mois des notions militaires des bases. Ils ont été présentés au public lors d'une cérémonie qui sanctionne la fin de leur formation au centre d'instruction des Kitona, situé à Mwanda, dans le Congo central. L'événement a été présidé par le président de la République, Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, parmi lesquels la présentation de ces unités par le commandant général des écoles militaires. Issus de toutes les provinces, 93% des éléments qui les composent ont le niveau de scolarité allant de 4 à 6 ans post-primaire. Il s'agit d'un régiment de surveillance et de couverture et de deux bataillons spéciaux. Le clou de l'événement, c'est cette cérémonie de transfert d'autorité dirigée par le chef d'état-major général comme symbole de commandement. L'étendard et le fanion ont été remis aux officiers. Vint alors l'adresse du chef d'état-major général aux unités. Didier Toumba a, dans son mot, insisté sur l'ordre et la discipline. Maintenant, ici devant vous, je dois rappeler que j'étais également là où vous vous trouvez présentement, il y a de cela 38 ans, a fait remarquer le chef d'état-major général. Seule la discipline m'a élevé. Et je ne suis pas seul, c'est aussi les cas de mes aînés. Après cette adresse, le go du défilé a été donné. Enthousiasmés et visiblement fiers d'intégrer les forces armées de la République, les recrues ont de très belles manières exécuté les pas dans cette base des Kitona.